La taxe foncière. Alors, si tu es propriétaire immobilier, que ce soit en Allemagne ou bien dans d'autres pays, tu as sûrement entendu parler d'une taxe foncière. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la réforme sur la taxe foncière en Allemagne, car l'État allemand a décidé de réformer ce secteur-là dans toutes La les régions région des allemandes. Länder. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler quelles sont ces réformes et surtout, qu'est-ce qui t'attend en tant que propriétaire immobilier et surtout futur propriétaire. Alors, à la fin, on va te donner les tips qui vont t'aider dans ta déclaration d'impôt, car on le dit, la taxe foncière va entrer en jeu dans la déclaration des impôts. Alors, reste scotché jusqu'à la fin. On dit, on se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Alors, moi c'est Franz de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors, dans cette chaîne, nous parlons des thématiques autour de l'immobilier, des risques liés à l'immobilier et surtout comment faire sa déclaration d'impôt ayant même un patrimoine immobilier. Alors, si tu es intéressé par cette thématique, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne et à partager à tous ceux-là que ça peut aider. Car, comme on le dit dans la chaîne, l'information c'est la clé. Alors, nous partageons nos informations avec vous. La réforme sur la taxe foncière. Alors, l'État allemand s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de déphasage au niveau des estimations des biens immobiliers en Allemagne. Alors, l'État a trouvé bon qu'il peut se permettre d'introduire une réforme sur les taxes foncières. Car il faut le dire, l'État veut gagner de l'argent aussi. L'État veut augmenter dans certains secteurs ou bien dans certaines régions les taxes foncières. Car l'État s'est rendu compte que l'estimation a été faite depuis les années 1964, la dernière estimation. Alors, depuis l'année 1964, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a plusieurs biens qui ont pris de la valeur et plusieurs biens même que l'estimation actuelle n'est plus si bas. Alors, l'État s'est dit, c'est l'occasion de refaire une estimation des biens immobiliers pour pouvoir donner des nouvelles taxes foncières. Alors, c'est pour ça que l'État a mis la nouvelle loi sur pied. Alors, tous ceux-là qui sont propriétaires immobiliers, il faut le savoir, vous avez jusqu'en 2025. 2025, c'est la date d'application de cette loi. À partir de 2025, il y a la nouvelle réforme qui entre officiellement en jeu. Alors, pour se préparer à cela, l'État exige maintenant de chaque propriétaire immobilier. À partir de cette année, ça veut dire que tu as du 1er juillet de cette année jusqu'en fin octobre pour faire ta déclaration de ton bien immobilier. Ça veut dire faire l'estimation de ton bien immobilier en faisant ta déclaration d'impôt. Alors, comme on le dit, le timing est déjà là, est déjà lancé car nous sommes déjà en juillet. Alors, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin car ici on va essayer de lister ce que tu as besoin pour faire la déclaration et l'estimation de ce bien et te dire même à la fin comment gagner de l'argent et comment même éviter de faire certaines erreurs. Alors pour commencer par te dire les éléments que tu as besoin pour faire ton estimation de ton bien immobilier, je vais commencer par le dire que cela concerne tous ceux qui sont propriétaires. Ça veut dire si tu as ton bien que tu viens à l'intérieur, tu dois faire cela. Et même pour ceux-là qui utilisent leurs biens pour louer à des personnes, vous devez aussi le faire. Ça veut dire que ça concerne tous les propriétaires terriens en Allemagne. Que ce soit ungebaut et gebaut, ça veut dire que ce soit la terre nue et même la terre avec un bâtiment et dessus, quoi. Alors, sur la chaîne, on avait déjà eu à parler de l'estimation de biens immobiliers. J'avais dit au courant de cette vidéo comment faire une estimation de biens immobiliers. Alors, si tu n'as pas vu cette vidéo, je vais mettre le lien juste en haut. Tu vas te faire une idée sur les éléments que tu as besoin dans l'estimation d'un bien immobilier. Alors, je tiens aussi à dire que nous accompagnons tous ceux-là qui veulent faire des estimations de biens immobiliers. Vous pouvez simplement contacter la chaîne. On vous fera votre estimation de votre bien immobilier et vous accompagner même dans cette déclaration-là. Alors, pour commencer, quels sont les éléments que vous avez besoin? Ce que vous avez besoin pour préparer votre estimation de bien immobilier, alors on a ici le Anhaltswert qui est en français la valeur fiscale standardisée. Alors, tous ceux qui sont propriétaires immobiliers, vous avez sûrement reçu la lettre de votre finance
qui vous donne votre Anhaltswert. Alors vous avez besoin également de ça ici pour la déclaration. Et en deuxième position, nous avons le Kaufvertrag. Le Kaufvertrag ici, c'est simplement le contrat de vente. Quand vous avez acquis votre bien immobilier, vous avez eu un contrat de vente. Alors ici, vous avez aussi besoin des éléments qui sont dessus pour pouvoir faire cette estimation-là. En troisième partie, nous avons le Grundbuchauszug. Le Grundbuchauszug, c'est l'escrit du registre foncier. Alors dans l'escrit du registre foncier, vous avez les éléments comme le floor, le Vermachtung et plein d'autres éléments qui peuvent vous aider dans cette déclaration-là. Alors, en troisième partie ici, il faut le signaler, c'est que vous avez besoin d'un Auszug aus Liegenschaftskataster. C'est pour ceux-là qui ont acheté des biens qui sont assez âgés, car avant il y avait aussi ce Auszug de Liegenschaftskataster. Mais maintenant, bon, il y a simplement le Liegenschaftskataster qui met à disposition un schéma que vous avez aussi besoin ici pour l'escrit. Alors, c'est les éléments, je vais les dire, les éléments clés qui vont vous donner les informations importantes pour pouvoir remplir vos estimations de votre bien immobilier pour faire votre déclaration des impôts. Alors ici, nous allons entamer la phase de comment calculer la valeur d'un bien immobilier qui n'est pas bâti. Car il faut le dire, le calcul d'un bien bâti et d'un bien non bâti est différent. Et ça appelle plusieurs autres paramètres dont on ne pourra pas développer dans cette vidéo. Mais je vais vous développer simplement ici comment calculer pour un bien qui n'est pas bâti, c'est-à-dire pour un terrain vierge. L'estimation d'un bien non bâti, ça veut dire d'un terrain en Allemagne, c'est simplement une multiplication. La multiplication, c'est la multiplication de ton flèche mâle. Bodenrichtwert. Alors le flèche ici c'est la superficie du terrain que tu multiplies par la valeur indicative, qui est une valeur indicative mise à disposition par une institution ici en Allemagne, qui est aussi possible d'obtenir au travers du site boris.de. Pour ceux-là qui s'y connaissent, boris.de met à disposition dans plusieurs villes en Allemagne ce Bodenrichtwert que vous allez utiliser pour simplement multiplier par la superficie et vous aurez ainsi la valeur du terrain de votre bien immobilier. Alors pour ceux-là qui ont des terrains avec des bâtiments dessus, cela veut dire que vous ne pouvez plus faire simplement le simple calcul superficie fois Bodenrichtwert, parce que là il faut le dire, vous avez un bien qui est dessus. Ça veut dire que vous avez tout un bâtiment qui est dessus. Il faut connaître maintenant la valeur du bâtiment. Et connaître même maintenant, parce qu'ils ont ce qu'ils appellent le Vielfältige Faktor. Ça veut dire qu'il y a un facteur qui va être ajouté dessus, qui peut être inférieur à 1 ou supérieur à 1. En fonction du thème, si c'est inférieur à 1, vous êtes sûr que la valeur que vous avez va être décroissante. Ça veut dire pour quelqu'un qui fait simplement flèche mâle, indicateur flèche mâle dit le Bodenrichtwert est déjà dans l'erreur, parce que là il y a un facteur qui est inférieur à 1. Alors c'est un calcul qui est assez explicite, donc on ne saurait le faire en une minute ici dans la vidéo. C'est pour ça que je dis pour tous ceux-là qui ont besoin de l'expertise pour pouvoir faire le calcul dessus, je vous invite à contacter la chaîne, car on a plusieurs experts qui ont fait des formations dessus et qui pourront vous aider, vous accompagner dans ça. Alors, un des livres qu'on utilisait plus dans la formation, c'est ce livre qui aide exactement dans le calcul et surtout comment donner les facteurs. Et il y a aussi ceux-là qui peuvent se rapprocher de leur Gutachter Ausschuss pour avoir des informations clés par rapport au calcul. Alors, pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu la lettre, c'est une lettre de finance. C'est comme ça que le remplissage ou bien ça va ressembler. Je vais mettre la photo sur la vidéo. Vous pourrez voir les éléments dont vous aurez besoin ou bien ce que vous devez remplir là-dessus. C'est sur Elster. Vous avez les indications sur ce que vous avez besoin. Alors, je vais vous inviter à lire et surtout à vous renseigner. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez bien évidemment contacter la chaîne
on accompagne aussi plusieurs personnes dans les impôts, dans la déclaration des impôts. Alors n'hésitez pas à contacter la chaîne. Et pour calculer le Grundsteuer, il faut le savoir. Le Grundsteuer, c'est simplement la taxe foncière. Alors le finançant applique simplement cette règle ou bien cette formule. Ça veut dire le Grundstückwert, la valeur de votre bien immobilier multipliée par le Steuermesszahl, qui est ici le coefficient fiscal, multiplié également par le Hebesatz. Le Hebesatz ici, c'est le taux d'imposition. Alors, c'est la formule que le finançant m'applique. Alors, si on regarde de près cette formule, vous êtes sûr que plus votre Grundstückwert est élevé, plus votre impôt est aussi élevé. Alors, il faut le savoir. Ça veut dire que si vous avez votre Grundstück qui est plus élevé que ce que ça doit être, cela vous impacte car vous avez les impôts qui seront plus élevés. Et on est clair que chacun veut minimiser les impôts au max. Donc, c'était ici la vidéo pour vous informer sur comment calculer le Grundsteuer ou comment calculer le bien immobilier, et surtout pour vous informer que la chaîne offre des accompagnements là-dessus. Alors, pour tous ceux-là qui sont propriétaires et qui ont des difficultés, vous pouvez bien nous contacter. Alors, je vous invite à laisser vos questions et vos informations même dans les commentaires. On va se faire un plaisir de vous répondre tant qu'on pourra. Alors, on va le dire ainsi. On se retrouve à la prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Bye bye.